Au début, je pensais que ça allait me faire bizarre de voyager tout seul. Puis finalement, non. Apprécier sa propre compagnie, c'est une phrase qui peut paraître un peu bizarre comme ça, mais qui a pourtant beaucoup de sens. Sans entrer dans le cheesy, mais on nous pousse depuis tout jeune à avoir plein de potes, à aller à des soirées, parler à telle ou telle personne parce que c'est comme ça. Et plus t'avances, plus tu t'en fous. Il y a un moment où tu veux juste kiffer, et que ça soit avec des proches ou même tout seul. Et c'est là où il faut arriver à sauter le pas, parce que voyager tout seul, c'est un peu sortir de ce qu'on a toujours connu. Là, on se retrouve sans distraction, sans appréhension, sans effort à faire. Juste, tu kiffes et tu prends le moment comme il vient. Et c'est peut-être ça, justement, la vraie liberté. Être dépendant de personne. Bien sûr, les relations humaines sont primordiales, mais de temps en temps, ça fait pas de mal de prendre un peu de temps pour soi. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on se fait une nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude. On sort du bureau et cette fois-ci, on va aller se faire une espèce de road trip en Bretagne pendant 3-4 jours. J'ai loué ce van californien qui est un Dodge de 1983, qui est un van vraiment qui est incroyable et un peu à l'ancienne et tout. Enfin bref, moi, c'est un genre de truc qui me fait un peu kiffer. L'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de vous montrer comment on peut se filmer quand on est tout seul. Parce que là, pour ce road trip-là, je vais bien partir tout seul. C'est un peu de sortir de ma zone de confort parce que j'ai pris l'habitude d'avoir toujours quelqu'un avec moi pour me filmer dans mes différents road trips ou dans mes différents projets. Et le problème, c'est que c'est pas le cas de la plupart de ma communauté. En général, vous êtes soit tout seul, soit avec votre copain, copine, ou alors même avec des potes, mais qui n'ont pas trop l'habitude de filmer. Donc, je trouvais ça assez sympa de se faire une vidéo un peu en mode tips, comme j'ai l'habitude de le faire, de comment filmer quand on est tout seul ou alors quand on n'a pas grand monde avec nous. Nous, on est parti pour du coup 3-4 jours là, de road trip dans le nord de la Bretagne. Je pense que je vais surtout tourner autour des Côtes d'Armor, qui est vraiment un paysage magnifique. J'habite pas très loin, je suis à Nantes, mais je me rends compte en fait que la Bretagne, c'est tellement beau. Et pour avoir voyagé quand même dans pas mal d'endroits en Europe et aussi de l'autre côté du continent, faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'être en France et des paysages divers qu'on peut avoir à 6-7 heures de route l'un l'autre. Donc bon, on est parti et on va se faire quelques petits endroits sympas avant de parler du premier tips. Ceinture de sécurité très important. Faut voir que c'est de la technologie vraiment moderne, histoire d'être voilà. Là je sais que je suis protégé en cas d'impact. Je prends pas du tout le pare-brise dans la tête, il n'y a pas de souci. Bon, on va parler du premier tips qui est, c'est peut-être pas le meilleur truc pour le watch time, mais c'est pour moi le plus important, on va parler de composition. Alors ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il faut que je fasse une vidéo sur la composition, et en fait c'est un élément qui est hyper important en vidéo et que je suis en train de travailler de plus en plus. C'est la manière en fait de composer votre plan tout simplement, c'est-à-dire de comment vous allez placer votre sujet et quel cadre vous allez faire. Et en général, les vidéos qu'on aime bien visuellement, c'est des vidéos qui sont très bien composées, qui ont un cadre et qui aussi de temps en temps respectent certaines règles. Bon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les drones, notamment sur la partie composition à la fin. Mais en fait, vous avez une règle des tiers que je vous conseille de respecter un maximum. Donc c'est le petit quadrillage là qui divise votre plan à peu près 3 parties horizontales et 3 parties verticales. Et ce que je vous conseille de faire un maximum, c'est d'essayer de mettre votre sujet sur un des points de force, c'est-à-dire un des endroits où le quadrillage se coupe. Ça va créer une espèce de croix. Alors évidemment, il ne faut pas respecter ces règles à la lettre. Au contraire, de temps en temps, il faut essayer un petit peu de changer ou alors de mettre votre sujet aussi en plein milieu. Souvent, quand on a des éléments un peu autour, c'est très sympa à voir. Et ça, on vient sur mon deuxième point sur la partie compo, c'est les lignes directrices. Ça, c'est un de mes kiffs. Je ne sais pas trop pourquoi, depuis quelques mois maintenant, je commence à être omnibilé par ça, c'est l'aspect un peu symétrique des plans. J'aime de plus en plus avoir des plans avec des lignes directrices. Donc des lignes directrices, c'est entre guillemets des lignes soit naturelles, soit faites par l'homme et qui vont diriger notre œil vers le sujet. Et j'adore ça en ce moment. J'essaie vraiment de trouver des endroits où ça peut diriger l'œil du spectateur à l'endroit où j'ai envie. Et c'est un truc que je vous conseille vraiment de faire, d'essayer de trouver des endroits avec des lignes comme ça qui dirigent notre œil. Placez votre sujet soit au milieu, soit sur un point de force. Et vous allez voir que votre plan sera hyper sympa. Évidemment, la composition, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous promets que je travaille sur une vidéo. C'est pas vrai, mais c'est encore dans ma tête. Donc voilà pour ce petit tips composition. On va aller se faire un petit tour. On va aller se promener à droite à gauche parce que c'est un peu magnifique dans le coin. Et puis on passe au tips numéro 2 juste après ça. Allez, go!
Ok, on va parler du tips numéro 2, parce que c'est vrai que j'ai commencé par la composition, et c'est vrai que c'est hyper important, mais pour bien composer un plan, il nous faut quelques accessoires. Parce que ta caméra, tu vas pas la poser n'importe où, et c'est ce qu'on va parler dans ce tips numéro 2. Alors, je vais vous parler de 2-3 accessoires que je trouve plutôt utiles. C'est pas des indispensables, mais honnêtement, moi, ça m'apporte pas mal, surtout dans mes vidéos où je suis tout seul. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que quand t'as quelqu'un qui te filme, bah, en général, bah, c'est lui qui peut faire les mouvements de caméra, il peut mettre la caméra où est-ce qu'il veut pour avoir le plan bah, que t'as en tête. Sauf que quand t'es tout seul, et bah, t'as pas le choix, t'es obligé de mettre ta caméra quelque part. Accessoire numéro 1, alors c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est de la marque Joby, c'est un GorillaPod. En fait, c'est simplement un espèce de trépied que tu peux tourner dans tous les sens. Et c'est ça qui est hyper pratique, c'est clairement, tu peux l'attacher partout et là où exactement où tu veux. Je vous avoue que c'est un accessoire que j'ai depuis à peu près 2 ans. Je peux le monter sur un poteau, sur un banc, sur une fenêtre, sur n'importe quoi. En plus, ce que je trouve assez pratique, c'est qu'il a une espèce de tête fluide, ce qui veut dire que je peux mettre bah, exactement la caméra dans l'angle que je veux. Et moi, je vous avoue que c'est un peu un indispensable. Je l'emmène partout avec moi, il est toujours sur mon sac à dos et je peux que vous le conseiller. Moi, je crois que j'ai le 5K, donc c'est le plus gros, parce que je crois qu'il peut supporter un poids peut-être de 4 ou 5 kilos, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est hyper pratique. Et si jamais vous avez une caméra qui est un peu plus lourde, moi, je le mets avec mon Sony A7S III et un 24-70 G Master 2e génération et il tient bah, vachement bien, donc je peux que vous le recommander. Après, si jamais vous n'avez pas forcément de GorillaPod, un truc que je peux vous recommander aussi d'avoir, c'est le classique, mais c'est un trépied. Moi, celui que j'utilise, c'est, j'ai plus le nom, mais je vous l'affiche à l'écran. C'est un trépied aussi que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Je l'emmène sur tous mes voyages la plupart du temps. Il est hyper simple, il n'est pas très lourd en plus, donc c'est ça que j'aime bien. Je peux le mettre sur mon sac et surtout, bah, je peux le placer un peu à des endroits propices, on va dire. Et donc bon, que ça soit celui-là ou n'importe lequel, prenez un trépied avec vous si jamais vous n'avez pas de GorillaPod ou de choses comme ça, parce que ça vous aide pas mal à cadrer les plans et surtout avoir les angles que vous voulez. Troisième accessoire, alors celui-là c'est clairement pas un indispensable, mais c'est quelque chose que je mets de plus en plus dans mes vidéos, surtout de voyage, quand je suis tout seul et que je veux donner un peu ce look un peu dreamy, c'est un filtre mist. Alors mist, si vous savez pas vraiment trop ce que c'est en fait un filtre qui va adoucir un petit peu les lumières, en tout cas qui va les diffuser un peu plus dans l'image. Et c'est surtout que ça va permettre de, entre guillemets, de perdre un petit peu en netteté, parce que je trouve que certains objectifs sont un peu trop nets, un peu trop sharp. Donc moi j'aime bien rajouter un filtre mist bah, pour adoucir un peu plus mon image et la rendre un peu plus cinoche, entre guillemets. Donc en général j'en mets un sur bah, ma caméra et j'en ai aussi un sur mon drone. De temps en temps c'est un peu too much, donc je le mets pas à chaque fois, mais là dans un environnement comme ça où je suis un petit peu en mode vidéo de voyage, etc. Je trouve que c'est un mood qui match plutôt bien avec un filtre mist. Sur le marché il en existe pas mal. Moi je vous recommande pas mal la marque Freewell, c'est un espèce de set de filtre ND bah, que j'utilise aussi depuis 1 an ou 2, et ce qui est pas mal là-dessus c'est que du coup on a un filtre mist, un filtre ND normal et un 2, 5 et un 6 à 9 stop, donc c'est plutôt pratique. On a aussi les Polar Pro qui fonctionnent très bien en mist ou en normal. Et dernier accessoire, vous m'avez vu arriver avec, alors c'est un accessoire que pas, qui est encore moins indispensable je pense, mais que quand mine de rien on est tout seul, bah, ça permet d'avoir un peu de mouvement dans son image, c'est le One Wheel. Alors le One Wheel, ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. Il m'a été envoyé par Rydon Experience, qui est le revendeur officiel et unique en France de One Wheel. Et ce que je trouve assez pratique, c'est que déjà, première chose, d'un point de vue, si je suis derrière la caméra, le One Wheel, ça me permet d'être beaucoup plus stable quand je fais des plans. En fait, par exemple, s'il y a une activité, s'il y a un mouvement où il faut que bah, je marche avec un stabilisateur ou avec ma caméra, on va avoir une espèce de mouvement de haut en bas que j'aime un peu moins, qui fait un peu moins pro. Mais du coup, avec un petit peu moins de moyens, bah, ça permet d'être beaucoup plus stable avec un One Wheel. Là, moi, celui que j'ai, c'est un Pint X. Donc c'est un des derniers modèles qui est sorti. Il peut aller jusqu'à 30 km/h, il a entre 20 et 30 km d'autonomie, donc honnêtement vous êtes large. Et au-delà de filmer avec, pour moi c'est un réel kiff bah, d'avoir ce One Wheel là, parce que du coup c'est une espèce comme, c'est un peu comme une sensation soit de surf ou de kitesurf dans l'idée, si vous en avez déjà fait. C'est hyper léger, ça se fait vachement bien, c'est très maniable en fait. On a l'impression que ça peut être un peu pète gueule et au début honnêtement faut prendre un peu le temps de l'avoir en main, mais une fois que vous l'avez en main c'est un pur régal. On peut vraiment sentir un petit peu les virages. Et moi je vous avoue aussi que quand bah, je me filme comme ça tout seul, c'est assez pratique d'avoir ce genre bah, d'instrument ou d'outil, parce que ça permet de mettre du mouvement dans mon image. Et vu que je me filme tout seul, je suis obligé d'avoir une caméra sur un trépied qui bouge pas, et donc le fait d'avoir un One Wheel, ça me permet de faire des lignes droites, des virages pour qu'il y ait un peu plus de mouvement simplement dans mon image. Bref, que ça soit pour filmer ou simplement pour prendre du kiff, je vous conseille à 100% le One Wheel. Vous allez voir que vous allez prendre un plaisir monstre au bout de quelques heures honnêtement d'entraînement. Et puis mine de rien, pour faire des plans encore plus stables, c'est un outil que je vous recommande fortement. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est un lien bah, du coup vers bah, le magasin Rydon Experience. C'est un magasin qui est français, les mecs sont top. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur poser, ils sont hyper sympas. Et voilà, on a fait le tour à peu près des accessoires que je voulais vous parler. Et puis on va retourner faire nos petits plans et on parlera du troisième tips juste après. I just want
la gueule. Il y a le vide qui est derrière, mais tout va bien. Tips numéro 4 ou 3, je sais plus, je crois qu'on est rendu au tips numéro 3. Alors c'est un peu un classique, mais aussi un très important, il va falloir filmer un maximum. Et quand je dis filmer un maximum, il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur REC un maximum, ça c'est un de mes problèmes à moi. En général, j'essaie toujours d'optimiser un peu le temps qu'il y a sur ma carte SD, donc de temps en temps, je vais hésiter à faire certains plans, alors que enfin, clairement, c'est une connerie, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton REC. Même si c'est des plans qui sont pas fous, même si vous dites « ouais, ça va peut-être pas trop me servir » ou « il fait pas beau » ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à enregistrer un maximum de vidéos, comme ça, après, au montage, vous aurez de la matière. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'au moment du montage, bah, vous allez pouvoir choisir si vous avez fait une dizaine de rushs, plutôt que si vous avez fait que deux rushs, bah là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est la première chose, donc filmer un maximum. Deuxième chose, ça sert à rien de filmer à chaque fois le même plan, la même scène, au même endroit. Essayez de varier au maximum. Moi, ce que je me dis à chaque fois que je dois filmer un endroit, c'est qu'il faut que j'ai au minimum trois différentes valeurs de plan. C'est-à-dire que je vais avoir un plan où bah, justement ça va être un plan plus large, un plus serré et un vraiment très focus sur bah, soit le sujet ou soit un détail précis. L'avantage que ça va avoir, c'est que vous allez pouvoir du coup bah, varier vos plans et ça va rendre en fait tout simplement votre montage beaucoup plus dynamique. Et donc pour ça, bah, le mieux c'est d'avoir des objectifs différents. C'est pour ça que je vous recommande assez souvent d'avoir un zoom 28-75 ou le 24-70 parce que ça permet en fait d'avoir les trois valeurs de plan différents. Le 28 pour du plan assez large, le 50 pour du plan plus portrait standard et le 70-75 pour avoir des plans beaucoup plus serrés. Mais si jamais vous avez la possibilité, essayez d'avoir 2-3 objectifs bah, dans votre sac. Moi, pour un titre d'info, je me balade toujours avec mon 16-35mm, mon 24-70 et mon 70-180. Comme ça, ça me permet de couvrir la plage de 16mm jusqu'à 180mm. Et clairement, c'est un peu, on va dire, le classique combo des trois objectifs qu'il vous faut. Après, vous inquiétez pas, si jamais vous avez uniquement un 24-70 ou un 28-75, ça fera largement l'affaire. Ok, bon, on va s'éloigner un petit peu de cette belle partie-là. Je pense que je vais faire un coup de drone. Parce que, bon, vous ne le voyez peut-être pas, mais ici, c'est un peu magnifique. Je dirais pas le nom, parce que je vais me planter dans la prononciation. Mais en tout cas, la Bretagne, c'est comme ça. Ok, c'était pas cringe du tout, ça. Allez, on est parti. Ok, je profite de ce moment un peu plus calme. Alors, je pense que vous l'avez entendu, mais toutes les musiques que vous avez écoutées dans cette vidéo, et même d'ailleurs toutes les musiques que vous entendez, que ce soit sur mes vidéos YouTube, mes vidéos pro ou n'importe quoi, je les trouve toutes sur le même site. Et ce site, c'est Artlist. Donc, je pense que vous en doutez, mais le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. C'est un service que j'utilise depuis 2-3 ans. Ça fait un petit moment aussi qu'ils suivent la chaîne et que bah, je fais des collaborations avec eux. Et je suis hyper content parce que c'est honnêtement le service que j'utilise le plus en tant que vidéaste, réalisateur, tout ce que vous voulez, indépendant. Je pense que la principale raison pour laquelle j'utilise Artlist, c'est simplement que je trouve toujours la musique que je cherche. C'est con, hein, ça fait 3 ans que je suis chez eux. Mais à chaque fois que j'ai un projet, je trouve toujours la bonne musique, ou en tout cas la musique que je veux, sur cette plateforme. En plus, j'ai testé d'autres plateformes et c'est toujours sur la même que je reviens à chaque fois. Bref, au-delà de trouver toujours la musique que je recherche, en fait, c'est surtout que c'est hyper bien rangé. Je pense que c'est ça, ça me permet d'aller plus vite et du coup, bah, te trouver la musique assez rapidement. Avec la partie musique, vous savez que c'est hyper important d'avoir bah, des SFX, du sound design dans vos vidéos pour rendre bah, votre vidéo plus sympa à regarder. Et là, pareil, c'est hyper bien rangé. On peut soit taper bah, le bruit qu'on a en tête ou alors chercher directement dans la catégorie. C'est hyper bien indiqué. Et moi, je vous avoue que ça me facilite pas mal la tâche. Et aussi, le fait que bah, Artlist soit un des services que je vous recommande le plus, ça va être son prix, parce que c'est un abonnement qui est hyper simple, on se prend pas la tête, on a juste à payer et ensuite ben, on a les droits pour tous nos projets, que ça soit pour de la TV, pour YouTube, pour des projets perso, pour des projets pour les clients. Ah oui, alors aussi, Artlist va sortir ou a déjà sorti, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, un pack qui s'appelle All In Pack, et en fait c'est bah, ce pack là il est disponible pour tous ceux qui ont un abonnement Artlist ou Artgrid, et ça comprend des motion graphics, des luttes, des effets style un peu VHS ou glitch, on a aussi pas mal de sound design, des templates de storyboard, enfin bref, on a pas mal de choses qui bah, nous permettent de créer du contenu. Donc si vous avez déjà une licence ou alors vous souhaitez bah, en prendre une, bah, vous aurez ce pack-là, je crois que il y a une durée d'un mois ou quelque chose comme ça, et ça va pas mal vous aider. Donc si Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si vous passez bah, par mon lien, vous aurez 2 mois gratuits, et en plus, bah, moi, ça m'aide à créer du contenu. Donc bah, merci à tous ceux qui passent par mon lien. Et nous, on reprend notre vidéo. J'adore ce truc. Ok, on est rendu au tips
On est rendu à un des tips, hein, ça c'est sûr. Je crois qu'on doit être au 3, 4e, 5e, enfin un truc comme ça. Hein. Du coup, ce tips-là, ça va être assez important, mais c'est quelque chose aussi que je vous ai déjà dit, mais je pense qu'il faut aussi un peu rabâcher, c'est le fait de raconter une histoire. En fait, quand je dis raconter une histoire, c'est faut qu'on comprenne dans votre vidéo que vous allez entre guillemets d'un point A à un point B. C'est pour ça que je vous dis que bah, dans le tips avant de filmer à un maximum, parce qu'il faut qu'on comprenne en fait où est-ce que vous allez. C'est important qu'on voit à peu près le chemin. Et c'est surtout qu'en fait on n'a pas besoin que ça soit chronologique. L'idée c'est simplement qu'on comprenne bah, où est-ce que, d'où vous êtes parti, où est-ce que vous allez et par quoi vous êtes passé pour arriver à ce point-là. En fait c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est essayer un maximum de raconter une histoire bah, par vos images, par votre personnage, par l'endroit où vous êtes. C'est aussi assez intéressant d'établir un shot, c'est ce qu'on appelle entre guillemets l'établissement shot en allemand. En allemand LV6 quoi. Et en fait c'est le fait de montrer où est-ce que vous êtes arrivé, enfin l'endroit où vous êtes dans un plan un peu plus large et ensuite de faire bah, pourquoi pas des plans un peu plus serrés pour comprendre bah, quel chemin vous empruntez, par où vous passez, etc. Ah oui aussi j'ai oublié de vous dire ça mais n'hésitez pas à laisser votre caméra à un endroit et de passer. Ça c'est un truc où tu as l'air un peu d'un con parce que tu es obligé d'aller poser ta caméra, ensuite revenir, ensuite passer devant, t'arrêter ou reprendre la caméra, mais vous allez voir que ça va servir à mort dans l'histoire que vous voulez raconter. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, poser votre caméra, mettez bah, un angle, on vous voit arriver et ensuite bah, quand vous passez devant, vous changez d'angle avec votre caméra vers la direction où vous allez voir que ça a fait une belle transition entre les différents endroits où vous allez. Dernière chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on voit le moins possible la caméra. Dans le sens où laisser tomber entre guillemets un peu les trucs à selfie, je glissais, toutes les choses où on va voir que vous êtes en train de vous filmer vous, et ben ça va pas être très joli à la caméra. Donc essayez toujours de cacher soit la caméra en utilisant un trépied, en utilisant un gorillapod sans qu'on voit le bras, mais évitez au maximum qu'on voit la caméra pour comme si en fait bah, quelqu'un d'autre était en train de vous filmer. Parce que c'est ça le but ultime, c'est qu'on se rende pas compte qu'il y a une caméra, qu'on soit comme si on était avec vous dans votre vidéo, dans votre road trip, sans qu'on se rende compte en fait que bah il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Et en l'occurrence c'est vous. Et du coup outil hyper utile quand on veut justement bah, pas montrer la caméra, ça va être d'utiliser une application que vous allez connecter à votre caméra. Donc forcément ça dépend bah, de l'âge de votre caméra, plus elle est ancienne, plus ça va être compliqué de trouver une application. Mais toutes les caméras récentes ont forcément une application compatible avec bah, votre boîtier. Et du coup, vous allez pouvoir vous voir, ou en tout cas voir ce que voit votre caméra. Et ça, c'est hyper pratique, parce que comme ça, ça permet de positionner votre caméra à un endroit précis. Hop, vous avez directement le retour sur votre application, et du coup, ça vous permet de beaucoup mieux cadrer votre plan, ou en tout cas, bah, de bouger votre sujet là où vous voulez qu'il soit. Pour tous ceux qui ont des appareils Sony, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais récemment, j'ai sorti une vidéo justement sur une application qui s'appelle Monitor Plus, qui est clairement une application que je vous recommande, elle est gratuite et bah du coup ça vous permet d'avoir un retour écran. Et clairement cette application c'est une pépite, ça fait 2-3 jours que je suis en road trip et je pense qu'il n'y a pas un seul plan où je l'ai fait sans. À chaque fois ça me sert à bien cadrer mon plan, à voir si je suis bien en focus, etc. Donc bah allez-y, franchement cette application elle est pépite. Et dernière chose, mais ça va plus se passer au montage, mais vu que vous allez faire beaucoup de plans au trépied ou au gorillapod ou n'importe quoi, bah ça va être des plans qui vont être très fixes. N'hésitez surtout pas en post-production à mettre des keyframes pour qu'on ait une espèce d'impression de mouvement de votre image. Donc la plus classique c'est de faire un push-in, c'est-à-dire bah, on part de l'arrière et on zoome en fait dans notre image, mais vous pouvez aussi le faire sur le côté. Bref, n'hésitez pas à jouer sur ces keyframes là parce que justement ça va dynamiser votre vidéo à tel point que de temps en temps on ne sait pas vraiment si la caméra est stable ou pas. Vous pouvez également utiliser des faux mouvements de caméra, il y a des packs qui existent et je crois que je sais plus trop sur quelle chaîne je l'avais trouvé, mais je vous la mets, enfin je vous l'affiche à l'écran. Et ça je trouve ça assez pratique de temps en temps que vous voulez simuler un mouvement bah, justement pour pas montrer que le plan est trop statique. Bref, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à rajouter du mouvement en post-production, vous allez voir que votre vidéo ne sera que meilleure. Bref, j'espère que ces petits tips un peu dans le style filmer tout seul vous auront aidé. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo, ça fait du bien de sortir un peu du bureau, d'aller dans des endroits qu'on connaît pas trop et honnêtement la Bretagne. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est ce qui m'aide le plus et ça me montre bah, du coup que vous aimez ce style de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo simplement et puis je vous dis la bise.